Bon matin à toutes et tous. Eh bien, on se retrouve pour le dernier message, et ça sera le message avec de l'archange Raguël. Le dernier message de cette semaine, nous sommes le vendredi 7 juin 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, petite philosophie du matin, alléger son emploi du temps. Ne pas surcharger son emploi du temps, laisser des plages horaires vides, sans rendez-vous ou obligation. Profiter. Profiter de ces espaces de liberté pour réfléchir, se relaxer, méditer, réaliser quelque chose pour soi, faire du sport, etc. pour être bien, tout simplement. Waouh, belle philosophie pour ce matin, encore une fois. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé ordre divin, l'archange Raguël en ce moment. Tout se déroule comme il se doit. Regardez au-delà des illusions et vous distinguerez l'ordre sous-jacent. Le message de ce bel archange Raguël, eh bien, une situation gagnante est en train de mijoter et elle apportera des solutions équitables pour tous les intéressés. Cela exige que vous ayez une foi, mais vraiment aveugle dans le fait que Dieu, le Créateur, travaille vraiment en coulisses pour extraire le maximum de bienfaits pour tous. Demandez à ce bel archange Raguël de renforcer, eh bien, votre foi. Si elle faiblit, elle peut faiblir parce que vous passez par des moments difficiles et ça peut arriver que la foi diminue ou que nous n'ayons plus la foi, eh bien, demandez à ce bel archange Raguël de faire revenir cette foi ou de renforcer la foi. Utilisez, eh bien, des affirmations positives et des prières pour garder courage. Si vous êtes dans une difficulté, présentement, avant tout, veillez à ce que vos conversations au sujet de cette situation contiennent des phrases et des mots positifs et optimistes. Vous êtes tellement puissant que vos pensées positives peuvent faire advenir la solution encore plus rapidement. Ayez foi en vous et ayez foi en notre Créateur. Alors travaillez avec l'archange Raguël. Cet archange Raguël possède une belle énergie bleue pâle, comme le ciel d'un parfait matin printanier. Et il est l'archange qui guide les gens à agir de manière juste et équitable, et il donne également la foi en la bonté naturelle de l'humanité. Vous savez, avec l'amour, en mettant de l'amour dans tout, on y arrive vraiment. Et en portant ou en ayant sur vous un petit cristal aigue marine, vous serez au diapason avec le personnage bon et sage de Raguël. Donc c'est cette pierre, ce cristal, aigue marine. Eh bien oui, je dis encore une fois, en y mettant beaucoup d'amour dans tout ce que nous faisons, en envoyant de l'amour même à ceux et à celles qui nous ont fait du mal. Nous sommes alors dans cette lignée de
d'amour et de bienveillance, d'altruisme et beaucoup d'empathie. Et oui, je sais, c'est pas toujours facile. Je sais. Je suis un être humain et je sais que ce n'est pas facile, mais lorsqu'on comprend que en mettant de l'amour, on arrive, on y arrive. Et ce n'est pas dans la dualité, ce n'est pas dans la rancœur, dans la haine, dans la colère qu'on y arrive. Voilà, alors je termine avec eh bien, l'oracle des amoureux. Et aujourd'hui j'ai pigé « Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. » Donc, voilà, exprimez votre gratitude pour ce qui s'en vient. Vous êtes maintenant libre de votre passé, de cette relation que vous avez eu. Vous êtes guéri. Donc ici, eh bien, cette carte, ce message vient vous dire que il y a une belle personne qui arrive sur votre chemin. Et c'est parce que vous avez fermé la porte de votre ancienne relation que il va arriver. Ou qu'elle va arriver. Voilà. Je vous souhaite un joli week-end, une belle journée, mais un très beau week-end à toutes et tous, dans la joie, l'amour, l'amour inconditionnel, c'est important. Et puis, eh bien, on se retrouve dans une prochaine capsule, et d'ici là, Prenez soin de vous, de tous ceux que vous aimez, de tous ceux qui vous entourent, d'un amour inconditionnel. Et moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite.